Ça y est, les Google Glass débarquent à la rédac. Fonctionnement, conception, possibilité, voici nos premières impressions sur ces lunettes d'un nouveau genre. Pour faire joujou avec les Google Glass, il faut commencer par les allumer. Deux possibilités s'offrent à vous, allez, on commence par la moins classe. Faut allumer les Google Glass, on peut bouger la tête comme ça. Mais y'a plus de batterie. Attends, je sais plus si y'a plus de batterie, je crois. Ou bien tout simplement toucher le bord de l'appareil. Le bord de Google Glass permet également de naviguer dans les menus. Donc soit de gauche à droite pour naviguer entre les différentes applications entre guillemets. Ou également dans les menus de haut en bas et en tapant pour valider une option. Ça y est, les lunettes peuvent maintenant répondre aux commandes vocales. Allez, on commence par la navigation GPS, l'une des applications les plus étonnantes. Ok Glass, get directions to Apple Store. Il n'a pas compris Apple Store en fait. L'affichage est projeté dans un petit prisme, tandis que le retour sonore est assuré par un système à conduction osseuse situé dans la surépaisseur de la branche droite à l'arrière des lunettes. Quand on porte les lunettes, on entend à peu près ça, les parasites du Bluetooth en moins. Côté webcam, la photo déçoit, mais heureusement, les Google Glass capturent des vidéos 720p d'excellente facture. Détail amusant, pour simplifier la saisie d'un code Wi-Fi, tapez-le directement sur le site web de gestion des Google Glass. Ce dernier génère alors un QR code interprété automatiquement par la webcam des lunettes. Le site web affiche également des informations sur le système, ainsi qu'une liste d'applications qui ne peuvent pas être installées directement depuis les Google Glass. Météo, multimédia, communication, géolocalisation, les fonctionnalités sont nombreuses et bien sûr, le moteur de recherche reste présent au sein des lunettes. Par exemple, vous pourrez leur demander l'âge de Barack Obama ou rechercher la définition d'un mot en particulier.